une consigne qu'il doit respecter à la lettre. Il y a maintenant 8 mois, Camille Combal et sa femme Marie-Thérèse Stéphanie ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon répondant au doux prénom de Pio. Et depuis que le bout de chou a pointé le bout de son nez, le présentateur du jeu télévisé Une famille en or, diffusé ce vendredi 20 janvier sur TF1, a dû changer certaines de ses vieilles habitudes. Pour le bien-être de leur enfant, son épouse a instauré un règlement très strict. Dès lors, Camille Combal a l'interdiction de sortir son smartphone une fois de retour à la maison, comme il l'a révélé dans le podcast 3 Daron un café sur la chaîne YouTube Daron Télévision. S'il tente parfois le diable, Camille Combal ne tarde pas à se faire remonter les bretelles par la jeune maman. Dès que je prends le téléphone, je suis massacré. Tous les gens à qui je réponds plus depuis des mois, le truc si esti que j'ai plus le droit de regarder mon téléphone à domicile. A-t-il confié avec son humour décapant. Avant de poursuivre, si esti dès que j'arrive, mode avion, bam, le téléphone n'existe plus. Une situation qui amuse énormément Camille Combal. Ma femme a les règles de tout. Tu rentres chez moi maintenant, il y a un règlement intérieur comme dans un bahut. J'ai le droit à 3 avertissements, après je suis exclu de l'établissement. A-t-il assuré en rigolant. Et d'ajouter, je suis à 2 cartons jaunes là donc je n'ai plus qu'un parce qu'il y a eu un écran et le match des bleus hier donc je commence à lui dire ça si esti Giroud est là d'un coup ça descend, pas d'écran. Donc je suis au 2e avertissement. Cela ne fait aucun doute, c'est bien Marie-Thérèse Stéphanie qui fait la loi à la maison. Supérieur à supérieur à ses naissances qui ont marqué l'année 2022 Camille Combal chamboulée par la naissance de son fils. La naissance de son fils restera à jamais gravée dans sa mémoire. Au cours de ce podcast, Camille Combal est revenue avec émotion sur sa première rencontre avec son bambin. À un moment donné il arrive, tu chiales comme une merde. Si est-il le moment ou si est-il concret, a confié l'ancien complice de Karine Ferry. Et d'ajouter avec tendresse, tout d'un coup, tu te retrouves tout seul avec lui. Moi j'étais dans une pièce, tout seul avec lui, pendant une bonne heure. Et là, si est-il le moment où ça se concrétise. Je ne faisais que lui parler. En découvrant la paternité pour la première fois, Camille Combal a pris de plein fouet un tsunami de tout, de galère, d'amour, de tout change. Si est-il un vrai délire, a-t-il conclu encore chamboulé par ce petit être qui le comble de bonheur. Crédit photo, Coadic Guirec.